la Madeleine contribue à la renommée de Commercy au-delà de nos frontières. On raconte qu'elle fut créée dans les cuisines du château pour le roi Stanislas vers 1750. Depuis plus de deux siècles, elle est le symbole de la ville. Mais Commercy, c'est aussi l'empreinte du XVIIIe siècle, laissée par le prince de Vaudémont, la duchesse Élisabeth Charlotte et par Stanislas Leszinski. Roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, il prend possession de Commercy quelques semaines après la mort d'Élisabeth Charlotte pour en faire sa résidence d'été. Le château doit tout autant à Claude Dieudevant, architecte du cardinal de Retz, qu'à ses successeurs, Beaufranc et Héré. Joyau du patrimoine lorrain, il a été détruit en 1944 par un incendie et reconstruit à l'identique. Les deux ailes basses, décorées de pots à feu et de trophées qui abritaient des écuries, font la liaison entre le château et les façades du fer à cheval qui ferment l'avant-cour. On y accédait depuis la forêt par une longue allée plantée de tilleuls. Supprimée à la mort du roi en 1766, organisée autour du grand canal menant au château d'eau, avec leurs terrasses, parterres et bosquets, les jardins faisaient la fierté du roi de Pologne. En amont du château, près du lavoir, le quartier des tanneurs s'est développé le long du canal des Moulins, un bras de Meuse canalisé. Là se concentraient autrefois les activités industrielles commerciennes, tanneries, moulins et forges. Au nord du château, transformé en centre administratif, se dresse le clocher de Saint-Pantaléon, l'église paroissiale reconstruite au XVIe siècle et agrandie sous le Second Empire. Plus loin, la place Doncalmé est ornée d'une statue de bronze du sculpteur Patrick Hervelin qui remplace celle de Charles Petre, enlevée en 1942. Né à Ménil-la-Horgne, élève des bénédictins de Notre-Dame de Breuil, bénédictin lui-même, abbé de Senones, Doncalmé fut le premier historien de la Lorraine. Classés monuments historiques, privés de leur église priorale, les bâtiments conventuels édifiés entre 1712 et 1714 abritèrent de 1854 à 1962 l'école normale de garçons de la Meuse. Ce riche patrimoine s'est enrichi au XXe siècle avec de nombreuses réalisations, comme par exemple la caisse d'épargne avec sa façade richement décorée. Plus spectaculaire encore, la pharmacie de style Art Nouveau avec sa décoration naturaliste, œuvre d'Eugène Vallin, avec la participation de Charles Friedrich et de Joseph Janin, tous attachés au mouvement de l'école de Nancy. Autre témoin de ce patrimoine, sur cette même place, l'ancien bailliage royal qui abrite aujourd'hui le conservatoire de musique. Commercy est connu pour ses sculptures monumentales. Si les œuvres qui décoraient les jardins du château, signées de Guy Balle et de ses compagnons, ont toutes disparu, si la guerre a fait disparaître des œuvres de Broquet et de Petre, subsiste fort heureusement le groupe en bronze de Gaston Broquet pour le monument aux morts. Place des Chanoines, la sculpture d'Amilcar Zanoni rend hommage aux forgerons et aux tréfileurs. Au rond-point des voyageurs, on peut admirer l'œuvre de Milutin Mratinkovic. Et, sur le rond-point des Godelles, les incontournables vaches bleues de Patrick Hervelin. L'art contemporain est également présent dans une salle dévolue aux expositions temporaires, au premier étage du musée de la céramique et de l'ivoire. Ce musée est installé dans le bâtiment des anciens bains-douches, bâti en 1934, dans le cadre des œuvres sociales de la Caisse d'épargne.
Sa façade rappelle le château d'eau édifié par Emmanuel Héré pour le roi Stanislas dans les jardins du château. Le musée présente l'une des plus importantes collections publiques d'ivoire de France, ainsi qu'un très bel ensemble de céramique, tous deux légués à la ville dans la première moitié du XXe siècle par le docteur Boyer.